Bonjour Laurent. Bonjour Alexis. Merci à toi de me donner ton temps pour cette conversation à distance, mais conversation sur ce qui t'anime, la question des territoires. Moi, ce que j'aimerais bien, parce que ça fait longtemps que je te suis, ça fait longtemps que je vois tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, etc., après cette rencontre qu'on avait pu avoir à la Maison des acteurs Paris Durable, c'est que tu as un parcours qui a l'air hyper inspirant. Et je pense que ce serait chouette en fait que tu parles un peu de toi, qui tu es, d'où tu viens et comment t'en es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui. Ok, écoute avec plaisir. Écoute, moi j'ai travaillé d'abord 15 ans dans le marketing et la communication avec somme toute un parcours assez classique. J'ai commencé à travailler chez Nestlé en chef de produit sur les crèmes Mont Blanc. Les crèmes Mont Blanc à l'époque ça a été vendu à un fonds de pension. Et au début, c'était une boîte qui s'appelait Mont Blanc. L'objectif était de relancer les crèmes Mont Blanc. Ce qui m'a plu, ça a été une aventure entrepreneuriale en fait. Parce que du coup, c'était devenu une petite boîte entre guillemets par rapport à Nestlé. Avec dans le Cotentin une usine aussi. Donc, il y avait un outil de production. Donc, ça a été un peu mon premier contact, on va dire, avec le monde agricole. Parce que, du coup, j'ai été voir des éleveurs pour un peu mieux comprendre comment ça fonctionnait. Ensuite, j'ai travaillé chez Michel Augustin, en responsable communication, avec toujours cette même idée d'aller dans des petites boîtes pour déjà plus créatives. Parce que dans une petite boîte, en fait, et ça rejoint l'entrepreneuriat, tu touches à tout. Tu n'es pas juste cloisonné dans une mission. Donc ça, c'est assez sympa. Et aussi avec cette idée d'avoir une boîte créative sur l'alimentaire. Okay. Et après, j'ai été chez Alter Eco en directeur marketing et communication. Donc Alter Eco, c'est du chocolat, du café, du thé, c'est des produits bio équitables. Et j'ai pas mal rencontré de producteurs dans les pays du Sud, tu vois, sur du chocolat, du café, du thé. Et là, j'ai vraiment pris goût à mieux comprendre les enjeux agricoles et alimentaires en parlant avec les gens de ce qu'on appelle l'amont de la filière alimentaire. Et finalement, comment on traduit ça en langage marketing et communication, comment on explique tous ces enjeux aux consommateurs. Et donc, ça m'a vraiment passionné parce que souvent dans la filière alimentaire, surtout quand tu travailles au marketing, tu es un peu cantonné dans le métier du marketing qui est bon, on va dire, des outils de communication, mais sans connaître vraiment les agriculteurs. Ce qui est un petit peu dommage parce que finalement, tu vends leurs produits ou la matière première de leurs produits. Et Alter Eco, ça a été vendu il y a 7 ans. À une entreprise qui s'appelle Distriborg, donc c'est les marques Björk, Bunter, enfin des marques du bio. Et moi, j'ai créé donc une agence qui s'appelle Terra Vita Project il y a 7 ans, avec une idée assez simple, c'était de remettre les producteurs au centre de la filière alimentaire. Et quand on dit les producteurs, finalement, c'est les enjeux du vivant. Parce que dès que tu parles avec eux, tu te rends compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux qui sont liés, les enjeux du vivant sont liés à l'agriculture et l'alimentation. Et donc concrètement, mon métier aujourd'hui, c'est 30% de conseils en stratégie marketing filière et 70% de création de contenu. D'accord. Donc tout ce qui est photo, beaucoup, beaucoup, alors ce qu'on appelle aujourd'hui storytelling, hein, donc photo, vidéo, pour expliquer d'où viennent les produits que l'on consomme, comment ils sont faits. Voilà, donc je vais chez les agriculteurs pour compte d'entreprises et de marques engagées pour montrer la transparence et l'éthique des filières. D'accord. Et donc là, après, c'est toi qui crée ces contenus. Je vois souvent effectivement tes photos, c'est ça, les photos, des vidéos. Enfin, c'est toi le maître artisan de tous ces contenus. Alors en fait, quand on va chez, tu vois, très concrètement, quand je vais chez un agriculteur, on est deux. Donc, moi, je vais interviewer l'agriculteur. J'ai un cadreur vidéo avec moi. Et après, pendant que le cadreur vidéo fait les points de coupe vidéo, je fais les photos. D'accord. Et on va livrer un package, si tu veux, photo-vidéo à la marque. Et bon, voilà, et après, c'est classique, je vais regarder le montage, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas. Oui, et c'est vrai que c'est un peu un travail artisan, dans le sens où on prend le temps de parler avec les agriculteurs. Tu vois, ce n'est pas une publicité, c'est-à-dire on prend le temps de les rencontrer, de comprendre qui ils sont, ce qu'ils font, et c'est ça qui est sympa. Et cette production de contenu, en fait, elle vient nourrir ensuite ou en simultané tes études, la partie conseil? C'est ça, comment alors, ça relie les choses? Alors, c'est vrai que c'est assez, ça se nourrit mutuellement. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des fois, tu vois, où le contenu qu'on a fait photo, vidéo, il va nourrir du design packaging, du social media. Tu vois, là, on a un peu de marque, on a créé une page sur LinkedIn. Et du coup, c'est des vraies photos du terrain
coup, c'est sympa, ce n'est pas des banques images. Et là où ça vient nourrir la partie conseil, comme tu dis, c'est qu'en fait, tu apprends beaucoup, beaucoup de choses en écoutant les agriculteurs parler. Et je fais une formation pour en parler aux échos sur l'éthique et la transparence des filières alimentaires, comment mieux les communiquer, les valoriser. Donc là, on est plus sur une partie stratégie, tu vois, étude. Et effectivement, ça se nourrit mutuellement. Tu as des choses qui viennent du terrain. Et après, ce que je fais, c'est que je vais aller prendre des études un peu plus quantitatives, tu vois, parce que tu as besoin de chiffres. D'aller dire, voilà, où est-ce qu'on en est en termes de tendance, de consommation, d'attente des consommateurs. Ce qui est intéressant, parce que dans ta démarche, finalement, là où on le voit moins souvent, c'est qu'en général, on part de cette vision macro, on va chercher de la donnée froide et ensuite, éventuellement, on va faire du qualitatif, comme on dit, en allant sur le terrain et on l'économise. Alors que toi, au contraire, tu fais le terrain pour démarrer en se disant ensuite, je mets en perspective et je vais chercher au-delà. C'est ça, exactement. C'est une signature, ça. Et ouais, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est connecté un peu au monde du vivant et au terrain, en fait. Et c'est vrai que ça aide à avoir une pensée qui n'est pas dogmatique. Parce que parfois, tu lis quelque chose et tu dis « Ok, c'est ça ». Après, tu vois un autre et tu vas chez l'agriculteur, tu comprends un peu mieux. Puis, tu vois un autre agriculteur. Et au fur et à mesure, ça t'aide à avoir une pensée un petit peu plus… un peu systémique, tu vois, à force d'écouter différents agriculteurs parler, quoi. D'accord. Ce que tu me dis, ça me fait penser un peu à cette idée de recherche-action comme on trouve beaucoup en sciences humaines et sociales où, en fait, quand on a un designer qui intervient ou un paysagiste ou autre, mais même tout type d'acteur, en fait, sur le terrain, pour aller plus loin, plus fin et plus dans le système, dans la reliance, il va avoir tendance, en fait, à coproduire des contenus à côté, finalement, de son cœur d'activité. Et ce que j'entends, c'est ce côté formidable, en fait, de tout ce que je vois passer sur les réseaux de ta part, c'est cette dimension justement à les raconter et en quelque sorte à se raconter soi-même au sens mettre en récit finalement ton travail en mettant en valeur l'autre sans que ce soit finalement la commande initiale. Et ça, c'est en cela que je trouvais ça vraiment inspirant. Et pour travailler comme ça, là, avec cette logique de terrain, est-ce que ce sont les agriculteurs qui viennent à toi en disant ce serait chouette qu'on puisse se rencontrer, venez sur notre ferme. Est-ce que c'est la marque qui te propose quelques contacts? Comment ça se passe? Alors, c'est plutôt aujourd'hui quand même les marques tu vois, qui sont commanditaires, tout simplement parce que c'est elles qui font le marketing des produits qu'elles vendent. Donc c'est souvent, enfin, en grande partie, c'est les marques qui communiquent. Après, ça peut être au niveau d'une coopérative. Tu vois, à titre d'exemple, j'ai créé une marque pour une coopérative de miel. La marque s'appelle Les Compagnons du Miel. Et on a fait une marque tracée de l'apiculteur jusqu'au pot en magasin. Donc là, comme la coopérative appartient aux apiculteurs, on va dire que c'est les apiculteurs qui, eux, font la demande. Et j'ai quelques cas d'agriculteurs avec qui j'ai travaillé en direct. D'accord. Je voulais, tu vois, créer un logo, un design packaging, un site internet. Mais c'est vrai que c'est déjà des agriculteurs qui sont assez structurés. C'est-à-dire que souvent, ils sont en GIE, ils ont un outil à la ferme de transformation, ils sont dans une démarche de... c'est plus juste une ferme qui fournit une filière, c'est déjà presque une ferme qui crée sa propre filière, tu vois, avec des produits en circuit long et aussi de la vente à la ferme. Du coup, ils ont des moyens pour communiquer. D'accord. Mais le premier frein pour l'agriculteur, sinon, ça va être les moyens financiers. Et justement, du coup, c'est... aujourd'hui, finalement, c'est une minorité peut-être de tes commandes et de ces personnes qui sont en capacité d'aller penser l'intégralité, de faire marque finalement par eux-mêmes. Est-ce que tu penses que c'est un modèle d'avenir ou est-ce que d'après toi, ce seront les marques qui composeront des marques locales avec ces agriculteurs ou comment, d'après toi, c'est quoi l'avenir de ces commandes et de cette façon d'entreprendre dans le milieu agricole? Une bonne question. Je pense que ce sera d'avenir quand on réfléchit à l'échelle des territoires. C'est-à-dire que, tu vois, si sur un territoire, tu as des agriculteurs qui ont la capacité, avec un transformateur, voire un distributeur, de se fédérer pour créer une filière et communiquer dessus, donc en fait, de mutualiser les moyens, hein, et ben, ça sera une solution d'avenir. Si en revanche, tu as un agriculteur qui reste dans son coin, enfin, je vous dis, ça arrive aussi, tu vois, des gars qui veulent bosser seuls dans leur coin, ça ne fonctionnera pas parce que c'est trop. Le marketing et la communication, ce n'est pas un coup de baguette magique. Il faut
il faut des moyens, ça marche dans la durée. Donc, c'est là où l'échelle des territoires dont tu parlais est intéressante. C'est que les gens ont envie de produits locaux. Ils ont envie de transparence, c'est de produits bon, qui ne viennent pas loin de chez eux. Donc oui, c'est une solution d'avenir si on a des nouvelles solutions territoriales. Et pour cela, moi j'aurais une proposition à te faire. Est-ce que tu aurais justement quelques conseils à donner à ces acteurs qui, dans les territoires, voudraient justement composer à plusieurs? Quel serait pour toi un levier ou un conseil à donner comme ça, hein, pour le point, pour s'engager dans ce genre de démarche un peu de coopération et de penser un peu le système à l'échelle locale? Eh ben, je pense qu'il y a une partie de leur boulot, mais qu'ils connaissent, hein, c'est de comment tu structures la filière, quels produits ils veulent faire. Et puis là où ça rejoint vite du marketing et de la communication, c'est quels sont les besoins des consommateurs, qu'est-ce qu'ils veulent consommer, quel type de produit. Parce que quand on crée un produit, faut qu'il y ait la filière qui va avec. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident de réfléchir le temps du marketing et de la distribution avec le temps long de l'agriculture. L'agriculture, c'est beaucoup plus long. On plante un an à l'avance. Et donc, c'est arriver à la fois à réfléchir à la filière, à la structurer, et en fonction aussi des besoins des consommateurs. Pour qu'une fois qu'il y ait des débouchés, on puisse du coup faire du marketing, c'est-à-dire créer un produit, communiquer dessus. Et c'est ça qui n'est pas évident. C'est que parfois, on a des démarches très filières, mais il n'y a pas de besoin consommateur. Parfois, il y a un besoin consommateur, mais du coup, on va aller chercher des produits très loin parce qu'on ne les a pas sur nos territoires. Donc, c'est un peu combiné. C'est presque une ingénierie de la filière alimentaire qu'il faudra inventer à l'échelle des territoires. D'accord. Ah ouais, donc, ce que je te propose, c'est pour la prochaine vidéo, justement, qu'on parle un peu plus de cette question de comment on associe ces acteurs, cette logique de filière, ce temps court et ce temps long qui est demandé à la fois par le marché et en même temps les besoins de la terre. Donc, rendez-vous dans la prochaine vidéo, Laurent, pour en parler plus précisément. Merci à toi. Ok, super, je t'en prie.